Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, j'en ai quelques-uns. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cet hémicycle du Conseil régional d'Île-de-France pour l'ouverture de ces assises. Il y a tout juste 18 mois, le 28 novembre 2006, je clôturais la journée de lancement de l'Institut Émilie du Châtelet au Collège de France. Et je paraphrasais à l'occasion Martin Luther King. « I had a dream », disais-je. En effet, avant de proposer aux élus de cette assemblée la labellisation de ce que nous appelons un domaine d'intérêt majeur, problématique du genre, j'avais fait un rêve, j'avais fait des rêves. J'avais fait le rêve d'un réseau qui rassemblerait toutes les forces de recherche sur les femmes, le sexe et le genre en Île-de-France, pour donner une visibilité à toute cette réserve de savoir accumulée depuis des décennies. J'avais fait le rêve d'une fédération d'énergie qui permettrait de dynamiser la jeune recherche sur ces thématiques, de lui donner confiance en l'avenir, en lui octroyant les moyens de faire avancer la réflexion, de proposer des solutions pour lutter contre les discriminations sexistes. J'avais fait le rêve d'un institut qui constituerait la vitrine de débats sur des sujets controversés, qui donnerait aux travaux des chercheuses et des chercheurs franciliens le rayonnement international qu'ils méritent, tout en représentant pour la communauté régionale une réserve d'expertise et de savoir. Aujourd'hui, 18 mois après, en ouvrant ces assises, j'ai l'impression que ces rêves ont commencé à prendre corps. Ces assises sont donc les premières. Elles se dérouleront les 5 lundis de juin dans cet hémicycle. Je laisserai à la présidente de l'Institut Émilie du Châtelet, Françoise Barré-Ducrot, le soin de vous en présenter le principe et la philosophie. Du point de vue du Conseil régional, de son président Jean-Paul Huchon, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui et que je représente, l'accueil de ces assises dans notre hémicycle constitue un signe de notre engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et des recherches qui contribuent à la faire avancer. Avec l'attention bienveillante du président et de la majorité régionale, ce projet s'est concrétisé grâce à un formidable déploiement de volonté et d'énergie. Rien n'aurait été possible sans le soutien et la capacité, entre autres, de Michèle Saban, vice-présidente en charge du personnel de l'administration générale et des marchés publics, qui s'est vraiment mobilisée pour dynamiser les acteurs et trouver des solutions créatives aux questions problématiques qui se posent immanquablement lorsque l'on prend ce type d'initiative. Nous avons conjugué nos efforts, nos équipes et nos moyens pour que ces premières assises puissent se tenir. Notre engagement sans réserve est aussi à la mesure de nos espoirs. 5 lundis, 5 thématiques, les principales dimensions de l'espace social visitées à travers le prisme de l'égalité femmes-hommes. Le programme est vraiment prometteur et nous attendons beaucoup de vos travaux et des débats qu'ils ne manqueront pas de susciter. Car en Île-de-France, nous avons l'ambition de faire avancer cette égalité entre les femmes et les hommes. Mais cette ambition se heurte encore trop souvent à des résistances aussi tenaces que diversifiées. Nous aurons l'occasion de les cerner, de les découvrir, de les analyser tout au long de ces 5 après-midi. Mais en introduction de cette première session, je voudrais saluer la pertinence du thème de ces assises « Résistance à l'égalité femmes-hommes ». Et peut-être l'illustrer par quelques épisodes vécus au cours de mes 4 premières années de mandat en tant que vice-président du Conseil régional. Bien entendu, pour faire des problématiques du genre un domaine d'intérêt majeur, labellisé par notre assemblée plénière, par un vote ici même, un vote solennel, il a fallu un peu de volontarisme et il faut, jour après jour, de la constance dans les efforts de conviction. Vous vous en doutez bien. Année après année, c'est la commission permanente du Conseil régional qui se prononce sur l'attribution de crédits et ce soutien, environ 800 000 euros par an, au bénéfice de l'IEC.
Les sujets de recherche sont présentés dans le document de séance, à l'appréciation des conseillers régionaux qui siègent en commission permanente. Lorsque cela porte sur les femmes, le sexe et le genre, c'est parfois, trop souvent, prétexte à de bons mots, à des digressions, à de l'ironie. Heureusement, ces manifestations pitoyables proviennent en général d'un groupe politique précis de l'Assemblée régionale que je préfère ne pas nommer ici. Tandis que l'IEC ouvre ses assises par une session consacrée au pouvoir politique et économique, il serait dommage de passer sous silence l'amendement adopté par l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Par 126 voix contre 88, les députés ont acquiescé à l'inscription future dans la Constitution française du principe suivant. Ouvrez les guillemets. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. Fermez les guillemets. Premier pas vers la reconnaissance d'une parité qui soit aussi économique, ce vote illustre tout autant les résistances à l'égalité que la cacophonie au sein de la majorité nationale. La résistance a été incarnée ici par la garde des Sceaux elle-même, Rachida Dati. Au nom du gouvernement, elle s'est en effet opposée à un amendement défendu pourtant par deux députés de son propre groupe, l'UMP, et évidemment soutenu par la gauche et les Verts. S'il devait perdurer jusqu'à l'adoption définitive du texte, cet amendement ouvrirait enfin la possibilité d'adopter des dispositions contraignantes en matière professionnelle. Ce pourrait être le cas, par exemple, de la composition des conseils d'administration des entreprises. Hélas, l'observation du monde politique le démontre, a invoqué constamment les évolutions lentes mais positives en matière de parité. Les générations passent et les problèmes demeurent. Seul, de notre point de vue, le volontarisme et l'action positive peuvent venir à bout de la multiplicité des résistances. D'ailleurs, si une disposition en faveur de la parité dans les conseils d'administration était mise en œuvre chez nous, en France, elle ne ferait pas de notre pays un territoire d'avant-garde. Depuis le 1er janvier 2006, la Norvège impose la présence d'au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration de toutes les sociétés anonymes cotées en bourse. De même, le 15 mars 2007, la nouvelle loi d'égalité adoptée par le Parlement espagnol, pionnier du côté latin, introduit également un quota de 40% de femmes au minimum dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 250 salariés. Et en France, combien de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 ? Chez Thales, 1 sur 16. Chez EDF, 1 sur 18. Chez Total, 2 sur 16. Bravo Total. Et chez L'Oréal, pourriez-vous vous demander, qui aime tant promouvoir l'image des femmes ? 3 femmes sur 16, record battu. Il est vrai que deux d'entre elles s'appellent Bettencourt. On est donc encore loin des 40% de la Norvège et de l'Espagne. À l'échelle de la région Île-de-France, nous ne pouvons évidemment pas édicter des textes de portée législative, mais nous tentons de faire preuve d'imagination. Laissez-moi citer deux exemples. Le dispositif des chaires Blaise Pascal, cofinancé et co-géré par la région et l'État, permet chaque année de financer 5 chercheurs étrangers de très haut niveau pour un séjour dans un laboratoire à une université d'Île-de-France. Dès mon installation, constatant qu'une seule femme avait bénéficié d'une chaire Blaise Pascal, alors que le dispositif était pourtant rodé depuis 10 ans, j'ai explicitement fait inclure dans l'exposé des intentions du dispositif l'objectif d'atteindre 40% minimum de lauréates. Invité à siéger la première année au jury, je suis intervenu pour que la très bonne candidature féminine, qui était en course, soit retenue. Malheureusement, les promotions suivantes ont montré que nous continuons d'avoir entre 0 et 1 femme, selon les années, sur les 5 lauréats. Mais c'est aussi parce que les candidatures féminines sont trop rares. Les laboratoires et universités franciliens sont-ils sexistes pour ne proposer que des hommes ? Les scientifiques femmes internationales sont-elles trop timides pour se proposer ? Vos analyses et suggestions pour faire évoluer les choses seront les bienvenues. Faut-il cibler des chaires sur des thématiques sciences humaines et sociales ? Ne serait-ce pas reconnaître qu'avoir des lauréates impose de ne pas privilégier les sciences dites exactes ? En tout cas, il est urgent de faire évoluer un modèle qui distingue encore et toujours plutôt les hommes,
plutôt issus du monde occidental et travaillant plutôt dans le domaine des sciences dites dures. Autre exemple, dans nos appels à projets, nous mettons en œuvre des mesures incitatives. Quand il s'agit par exemple d'attribuer des allocations de recherche, nous incitons les écoles doctorales à présenter le même nombre de candidatures masculines et féminines. Dans l'examen des demandes de soutien à des manifestations scientifiques, nous faisons de l'équilibre femmes-hommes dans le comité scientifique et dans les intervenants un critère d'évaluation des demandes de subventions. Là encore, nous rencontrons des réticences, mais aussi des difficultés objectives. Dans de nombreuses disciplines scientifiques, la parité n'existe pas, même au niveau inférieur, loin des plafonds de verre. Aussi, par manque de candidatures paritaires, sommes-nous amenés à aider des projets qui ne remplissent pas ces critères de parité, au risque donc d'en relativiser l'importance malgré notre réelle volonté. Dans tous les cas, en demandant aux acteurs de faire un bilan sexué de leurs demandes, nous espérons les amener à réfléchir aux raisons d'un éventuel déséquilibre. De notre côté, nous avons travaillé à présenter des statistiques sexuées dans l'ensemble de nos rapports. Ainsi, chaque fois qu'un bilan d'une de mes actions est dressé, il est en termes sexués, et ce, sur la plupart des travées de l'Assemblée régionale. Bien entendu, dans les événements que nous organisons, dans les jurys que nous constituons, nous faisons attention à promouvoir un équilibre entre les sexes. Dans cette dynamique, nous rencontrons encore des résistances, des impasses, mais aussi, il faut le souligner, des alliés. C'est là qu'ils siègent sur la plupart des travées. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé des travées tout à l'heure. Parmi les alliés principaux, j'ai cité tout à l'heure Michel Saban, qui, à l'intérieur et à l'extérieur de cette assemblée, porte la cause des femmes. Je veux aussi mentionner Michel Loup. Je me tourne vers sa place habituelle, mais elle n'est pas à sa place habituelle. Elle a profité pour se mettre au centre du dispositif de l'hémicycle. Michel Loup, conseillère régionale, chargée donc d'une mission pour la parité. Michel est une militante acharnée et vigilante de l'égalité. D'autres élus travaillent à la lutte contre les discriminations sexistes dans cet hémicycle. De Francine Bavet à Claire Villiers, que je salue toutes les deux. Je les ai entreaperçus quelque part dans la foule. La majorité régionale gauche et vert assemblée s'attache à faire avancer l'égalité femmes-hommes. Nous avons besoin de vos travaux pour identifier et nous attaquer à la pluralité des résistances à l'égalité femmes-hommes. Résistances parmi lesquelles la relativisation, volontaire ou pas, des discriminations sexistes, qui deviendrait une forme de discrimination parmi d'autres, doit être observée avec une très grande vigilance. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en ouverture de ces 5 semaines d'assises, et en vous renouvelant mes félicitations, en vous disant bravo pour avoir pris l'initiative de ces assises, auxquelles, bien évidemment, je souhaite tout le succès qu'elles méritent, et en saluant l'Assemblée, ici présente, ainsi que celles et ceux qui, le cas échéant, nous observent via Internet. Merci beaucoup, excellente assise et excellent débat. Merci d'accueillir les premières assises de l'Institut Émilie du Châtelet dans ce bel hémicycle, lieu de travail et de décision des élus de la région Île-de-France. Merci surtout d'avoir été à l'origine en 2006 de la création de ce premier institut français consacré à la diffusion et à la valorisation des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Il fallait une institution jeune, comme l'est le Conseil régional Île-de-France, au sein duquel vous êtes responsable de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation scientifique et technique, pour prendre l'initiative de fédérer des savoirs et des actions dont l'importance scientifique et sociétale a été jusqu'à présent trop souvent ignorée dans notre pays. Bien que dans tous les pays démocratiques, il existe depuis plusieurs décennies des instituts, des centres consacrés aux recherches sur les femmes, le sexe et le genre, en France, les pesanteurs universitaires, une trop forte centralisation administrative, l'adhésion souvent paresseuse à un faux universalisme ont freiné la reconnaissance de ce domaine. Lors de la journée d'inauguration de l'Institut Émilie du Châtelet au Collège de France, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, en novembre 2006, les responsables
des instituts comparables venus d'Allemagne, de Suisse, du Brésil, du Canada, que nous avions conviés, ont décrit une situation bien différente. La reconnaissance de ce champ d'études et la multiplication dans leur pays des établissements d'enseignement et de recherche. Mais si l'Institut Émilie du Châtelet n'est apparu qu'après bien d'autres établissements consacrés à ses études, il est en revanche le premier à avoir voulu articuler les recherches scientifiques avec les actions de ceux et de celles qui, dans la société civile, défendent les idées de parité et d'égalité. C'est la raison pour laquelle, en même temps qu'il existe dans cet institut un comité scientifique formé de spécialistes du genre, issus de presque toutes les disciplines, celles qu'on trouve dans les universités et dans les grands établissements de recherche de la région francilienne, en même temps siège aussi un conseil d'orientation composé de membres qui, à partir de leur lieu d'activité professionnelle, politique ou associative, se font l'écho de la réalité du terrain et enrichissent, par leurs observations concrètes et leurs analyses, les projets de diffusion et de valorisation des recherches sur les femmes, le sexe et le genre dans la région francilienne. Donnons quelques exemples. Il y a notamment dans ce conseil d'orientation des élus du conseil régional, tels Michel Loup, Claire Villiers, Michel Saban, déjà cités, mais aussi des représentants du Muséum national d'histoire naturelle où est hébergé l'Institut Émilie du Châtelet, des conservatrices de bibliothèques, des chefs d'établissements d'enseignement secondaire, des syndicalistes, des représentants et des représentantes d'institutions ou de groupes aussi divers que la HALDE, le Mouvement français pour le planning familial, l'Observatoire du Conseil général de Seine-Saint-Denis, de la Marche mondiale des femmes, de l'Observatoire de la parité, du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, d'Amnesty International, de Ni pute ni soumise, des Baba Yaga, etc., etc. Et aussi, bien sûr, des personnalités appartenant au monde de l'entreprise. Le conseil scientifique est présidé par Madame Geneviève Fraisse, philosophe, ancienne déléguée aux droits des femmes. Le conseil d'orientation est présidé par Madame Josiane Gontier, chargée de mission au Haut Conseil de la Francophonie. Je leur rends à toutes deux un hommage très reconnaissant et sincère. Les assises qui s'ouvrent aujourd'hui et qui se poursuivront tous les lundis jusqu'à la fin du mois de juin se veulent le reflet de la double vocation de l'Institut Émilie du Châtelet qui, comme je viens de le montrer, est de faciliter d'une part les relations et la synergie entre les chercheurs et les chercheuses des différentes disciplines et de faire entendre et de rendre fécondes les expériences et les actions de ceux qui ressentent la nécessité d'un lien entre ce nouveau champ d'études et la réalité de la société civile. Étudier, chercher est fondamental. Mais dans le domaine qui nous concerne, un pont est indispensable entre la recherche et son application pratique dans la société. Et puisque ce domaine est si peu encore inscrit dans les institutions de notre pays, il faut s'attacher à transmettre aux plus jeunes les pistes et les outils que nous avons élaborés. On sait qu'on ne peut abolir d'un coup de baguette magique l'inégalité entre les femmes et les hommes, et qu'il s'agit dans une société qui proclame sa modernité démocratique et rationnelle de trouver des moyens de faire céder les réticences, les verrous, domaine par domaine. Voici en quelques mots, donc, la philosophie de ces premières assises qui seront suivies, espérons-le, de nombreuses autres. Elles sont un enjeu essentiel dans la région francilienne, dont le potentiel de travail et de réflexion sont très importants dans ce domaine. Elles complètent les autres actions de l'Institut Émilie du Châtelet que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Le séminaire de recherche « Sexe et genre » qui se tient chaque mois au Muséum national d'histoire naturelle
et qui réunit des chercheurs et des chercheuses de différentes disciplines appartenant aux sciences de la vie et des sciences de l'homme et de la société. Le cycle de conférences 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, destiné au grand public, dans lequel chaque mois, une personnalité du monde scientifique présente son parcours de recherche et ses découvertes. Notre institut attribue également chaque année des allocations doctorales et postdoctorales qui soutiennent les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses pendant plusieurs années. La demande est grande. Et nous recevons tant de dossiers de valeur, 87 demandes émanant de doctorants et de doctorantes cette année, appartenant à toutes les disciplines, neurosciences, arts plastiques, sociologie, sciences politiques, cinéma, biologie, mais aussi démographie, sciences économiques, linguistiques, épidémiologie, géographie sociale, psychanalyse, ethnologie, j'en passe, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres, et c'est tout à fait étonnant de voir que dans toutes ces disciplines qui paraissent si peu orientées vers le genre, il y a autant de chercheurs qui s'orientent vers cette problématique. Nous nous réjouissons, grâce à la région Île-de-France, d'aider ces jeunes franciliens et franciliennes de talent à mener leurs recherches et aussi, pour plusieurs d'entre eux, de les aider à trouver un emploi stable. Ils exposent leurs travaux chaque année au cours d'une journée jeune recherche organisée par les membres du conseil scientifique et du conseil de direction de l'Institut. Nous soutenons enfin nos collègues des universités de la région Île-de-France dans l'organisation de manifestations scientifiques portant sur le genre. Et puis, last but not least, nous contribuons financièrement à la traduction et à la publication d'œuvres étrangères majeures sur les femmes, le sexe et le genre. Avant de leur laisser la parole, je veux remercier au nom de toutes et de tous mes collègues ici présentes, Jacqueline Laufer et Mariette Sineau, ainsi que celles et ceux qui sont responsables des autres journées de ce mois de juin et que vous aurez l'occasion d'entendre à la tribune. Je vais à présent leur laisser la parole et vous souhaiter à toutes et à tous bon travail.